Changement climatique, destruction de l'environnement maritime, inondation, contamination dans l'air. Voilà un peu ce que la Terre peut endurer depuis maintenant plus de 10 000 ans à cause de ce qu'on appelle la pollution. Et pas juste la Terre, mais la population complètement. La pollution a commencé vers les années 1800, qui a assalé les peuples, plus de odeurs ou de déchets qui ont été pesés, mais qui nous ont encore trouvé jusqu'à l'air aujourd'hui. Sa conséquence, c'est que ça bouge le drain et qui peut la suite quand la gros la pluie, ça fait une inondation qui cause beaucoup de dégâts, de détruire la case, tuer les gens, tuer les animaux, etc. Puis vers les 1900, la pollution de l'air a commencé par les usines avec la fumée qu'ils produisent. À savoir que dans le monde, il y a des milliers et des milliers d'usines. À ce stade, ça fait réaliser combien la fumée ça produit. Par derrière, ça peut apporter le changement climatique. La masse glaçante de la Terre peut de plus en plus finie. Pendant l'été, peut faire de plus en plus chaud, qui permet de plus beaucoup la sécheresse. Et pendant l'hiver, peut faire de plus en plus frais. Et à cause de ce changement climatique-là, il y a beaucoup d'animaux qui peuvent vivre dans une espèce forte, car le climat n'est pas compatible plus eux. De plus, il y a la pollution marine, qui est fait par une usine ou un bateau qui fait de l'huile dans la mer. Et nous avons aussi des gens qui fait de déchets qui, en grande partie, allent dans la mer et pas derrière détruire l'habitat d'un animal marin. Les ressources depuis la mer diminuent et il est aussi dangereux pour les consommateurs car les gens ne peuvent pas ramasser des malades. Donc soyez responsables, prenez soin de l'environnement, évitez la pollution pour que les générations futures soient capables de vivre dans une atmosphère saine. Moi, c'était Chouette de Highland TV. Pour vous retrouver très bientôt pour une prochaine N Minute.